Allez, je démarre l'enregistrement pour le YouTube. Bonjour le YouTube, bienvenue dans cette émission. Bonjour. Hello. Bonjour le YouTube. Voilà. Si tu regardes cette vidéo, c'est qu'on a fait top 1. Même blague tous les soirs. Ah bah oui, 100%. Le désespoir. Il me fatigue. Mais il me fatigue. Même blague tous les soirs. Et sauf que au début, c'était déjà nul. Mais enfin... Ok, du coup, ce qui va se passer ce soir, oui, l'Empire romain, oui, aka l'humanité, donc joué par Julien, je sais, ça fout les boules, mais va tenter de gagner une guerre contre deux adversaires différents, c'est bien ça? Ouais, tu résumes bien. D'accord. Tibbs, bon, bah, venait juste d'une sortir d'une longue période de crise et de réforme, qui ma foi. C'est ça. On a réalisé une OPA hostile sur les voisins. Malheureusement, quand le cul grossit trop vite, on a des problèmes en fait. Oui, bah. Logique, hein. Et donc voilà. Oui. Terrible. Mais on est en train de résorber les problèmes normalement, donc. C'est bien. Ça va bien se passer, je pense. Ok, d'accord. En théorie. Et du coup, en ce qui me concerne, donc je suis toujours le. Ce prolapsus. Oui, c'est toujours l'Union des Républiques Socialistes Galactiques. C'est quoi le prolapsus? C'est toi le prolapsus. Nous allons tenter de sécuriser nos territoires. Et on va peut-être commencer, du coup, appuyer sur play, puisqu'on est déjà à la bourre. Il est 20h07. Doucement. Hein. On va commencer doucement parce qu'il ne faudrait pas que je décède. On va y aller doucement. De toute façon, en plus, Julien il est en pleine guerre, donc il va avoir besoin. Alors, la politique alimentaire, j'étais en plénitude alimentaire, donc là, les gens, ils vont se détendre un peu, là. Hein. On va retourner en équilibre alimentaire. Ça va bien suffire. Parce qu'on est un petit peu en dèche de production de nourriture. On le sait. On a subi quelques petits problèmes. Que la production de nourriture qui posait problème. Oui, il y a quelques petits problèmes de ce genre, mais c'est pas complètement gênant, normalement. Tout ça devrait s'arranger très très vite quand je vais pouvoir arrêter de droguer la population que nous avons intégrée pour les faire travailler, parce que pour l'instant, le rendement de cette cité est catastrophique. D'accord. Catastrophique. System resources. Oh, il a un 8. Un 8 de puissance de flotte. Ouais. Ah, ça a piqué. Ça va faire mal. Bah... Ah bah non, je suis à un 8 aussi. Ah bah non, mais on tape. Allez, on y va, à fond. À fond, mon gars. Bah, il va se faire choper dans mon port où j'ai 1000. Donc ça fera 2008 contre 1000, et à mon avis, j'aurai détruit son armée. Ah, pas mal. Ouais, j'essaye petit à petit, mais bon, c'est compliquette. Alors, bon, tout est dans le rouge. Dans le jaune. Salut les gens. C'est pas si mal dans le jaune. Oui, c'est pas si mal d'être dans le jaune. Oh putain, il vient de sauter. Et toi, tu sautes quand, toi, Bobby, là? Allez, accélère. Bobby. Oh, oh là là là. Mais arrêtez de couiner toutes les 5 minutes, c'est pas possible, ça. Proposition de pacte commercial. Quoi? Upscaling complete. De qui? De la Balmacosa Star Conglomerate? Vous êtes qui, les mecs? Vous êtes qui dans l'e-sport? Mais attends, des capitalistes impitoyables, mais en plus, ils me détestent à moins 194, les mecs. Pourquoi ils veulent... Ah, c'est pas mal, moins 194. Ah non, mais c'est pas à moi qu'ils l'ont proposé, je peux pas montrer ça, j'en ai rien à foutre. I don't give a shit. I don't give a shit, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah là 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 là. Ça y est, il a chopé ta flotte? C'est non, la merde. Il chope mon port. Ah. Ah, ouais, triste histoire, ça. Ah oui. Une fois, il y en a un qui a chopé mon port aussi. Il avait été balancé avant. Logique. Putain, saute dans 98 jours. Ah. Oh là 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 là. Alors, est-ce qu'on aurait des vaisseaux de... Ah, on a plus de vaisseaux, en fait. Hein. C'est vraiment la mouise. Hein. J'ai tout vendu. Impressionnant. Bon, j'ai plus de port, mais il est tombé à 1,5. Ok. Canon électromagnétique. Puis d'extraction gazier, oui. Alors, on a des factions, mais ça va.
Par contre, on perd des biens de conso. Quelle est cette diablerie? La récession. Après, j'étais concentré, j'ai pas trop eu le temps de vous lire sur le chat. Je ne sais pas ce que vous avez dit. Oh bah comme d'hab, hein. Ça devait être plus ou moins des conneries, non? Voilà. Allez, chope là avant qu'elle saute. Très beau mes vaisseaux, je vous emmerde. Qu'est-ce qu'ils ont des vaisseaux? Sauter ces enculés. Enfoirés. Oh là 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 là, ce langage fleuri aujourd'hui. Oh là là, la violence, alors que la semaine dernière c'est bien passé. Dites, je n'entends pas beaucoup le bruit des gens qui sautent. Hein. C'est fou, ça me manque. Non, je déconne. C'était bien la semaine dernière. Ouais, c'était mieux même. Vous êtes pas à la hauteur, les gars. Allez, oui, d'accord. Donc eux, ils font la paix. Merci. Tu viens de sauter. Qu'est-ce qu'il y a? Société hiérarchisée. Ah, mais ils font tous la gueule. Ils commencent à m'emmerder, ces gens. C'est pas possible. À qui le dis-tu? Cessez de réprimer la faction. Non, réprimer à mort. Ils sont trop cons, ces gens. Tu Autocrate, c'est quoi ton délire à toi là? Allez. Oh là 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 là. Ah, ça pique un peu qu'il soit pas content. Mais non, c'est là, ça pique total là. Enfin, ça pique. C'est pas grave. Ça pourrait être pire. Mais c'est la faute de Fédération. Ah, ils ont sauté, supporé. De quoi? Ah, ils ont sauté. Ils te fuient. Ah ouais, mais totalement. Ah merde. Du coup, on peut peut-être passer en vitesse 2. Je pense que tu peux gérer la guerre à cette vitesse-là. On va voir. Upscaling complete. Ouais, bah, tu me laisses le temps déjà. Maybe he can, maybe he cannot. Bon. Non, parce que je veux bien la guerre, tout ça, mais on est 4 à jouer. Après, s'il y a un événement grave, là, tu remets sur vitesse 1, voire en pause, ok? Mais là, dans ta poursuite, tu peux clairement jouer en vitesse 2, je pense. Économie stratifiée pour eux. Alors voilà, c'était les deux manas. Donc on en a 54 des deux manas. C'est des gens préférence arctique, doués en physique et grégaire. Le seul souci, c'est que pour l'instant, ils sont en béatitude chimique. Et je peux pas changer avant 62, c'est-à-dire l'an prochain. Donc l'an prochain, on repasse en économie stratifiée. Ah. Et hop, les mecs, au turbin, comme tout le monde, ça va aller beaucoup mieux. Parce que là, ils sont un peu bons à rien. Là, ils sont un peu bons à rien, sauf à consommer mes ressources pour que dalle. Et ça pique un peu. Faut bien l'avouer. Ça pique grave, en fait, même. Est-ce que c'est dans ma juridiction? Ah, merde. Le leader est mort. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, la flotte. On va aller combattre un truc. Qu'est-ce qu'ils veulent? Heureux de vous rencontrer, la Xura Corp. Xura Corporation. Upscaling complete. Alors. Vendre. On va aller combattre des trucs. On va aller faire la guerre. Salut à tous. Salut à tous, oui. À tous ceux qui arrivent au nouveau. Il y en a de temps en temps, c'est vrai. Pardonnez notre silence, on essaie de se remettre dans le bain, de voir un peu ce qu'on faisait la dernière fois, mais ça va aller très vite, vous inquiétez pas, on va reprendre nos marques. Upscaling complete. J'en profite aussi pour dire que ce sera sûrement le dernier live de l'année. Oui. Probablement, parce que la semaine prochaine, c'est probable qu'il n'y aura pas de live. Ça sera à peu près de Noël pour faire un live. Moi, je pense que je ne serai pas rentré. Ouais, donc voilà. Comment ça? Bon, c'est la trêve de Noël, ça dure 10 jours, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Intéressant, hein. Alors, special project actualized. Voir. C'est quoi le délire là? Attendez, je vais vous mettre la cam. Tu t'avais pas mis la cam hein? Carrefour commercial, chantier spatial, quartier de l'équipage, tout ça, on rétrograde. Allez hop. On va récupérer du pognon. Là c'est pareil, tout ça, ça sert à rien ça, là, ancrage, là. Rien à foutre de tout ça, là. Rétrogradé, hop. Alors, qu'est-ce que c'est comme vaisseau alien là-dedans? C'est pas trop, hein, on n'a pas eu le temps de bien explorer. Qu'est-ce que c'est? Alors, on a élu un nouveau porte-parole. Non.
Camarade premier secrétaire du parti. Orion, t'as eu le ver de l'espace. Ah, c'est très long, c'est le truc de... L'horizon, là, ou je sais pas quoi. Oh, t'as plein d'événements possibles. T'as plein de fins possibles. Enfin, c'est un des trucs, une des chaînes d'événements les plus longues du jeu. Ah ouais? Ouais. Tu sais, c'est le truc... il peut arriver que t'as un de tes amiraux qui revient et qui... En fait, qui revient du futur et... Ah, c'est ça. Meurt en combat. Ah, des petits qui disparaissent. Tu peux avoir des colonies qui disparaissent. C'est n'importe quoi, c'est... D'accord, ok. Upscaling complete. Je sais pas pourquoi la cam, ça marche pas. Quoi, qui est mort? Ah, c'est rien. Mais tu peux pas détruire autant sur ton passage, pauvre con. Ah, c'est bon, je t'ai chopé, mais je vais te... Ah, faut croire qu'il peut. Mais il m'énerve. Vas-y. Arrête de sauter. Détendons-nous. Détendons-nous. Tout va bien. Oh. Tout va probablement bien. Faut que j'arrive à remettre la cam parce que là vous voyez pas mon big smile du coup. Ok. Vas-y, fous-toi de ma gueule toi. Pourquoi tu m'aides pas? En plus je suis en train de gagner la guerre. Je suis blasé. Ouais mais il a rien demandé lui. Ah, capacité navale plus 30. Oh mon gars. Nouveau contact, salut. Chercheur spirituel, c'est une république enfin putain. Enfin des gens sympas dans ce monde de merde. Pardon. Ils sont plutôt bien disposés à ton égard. Bah, on dirait. Après, ils sont méga moches, mais c'est pas grave. Ouais, ça. Hein. Vous êtes tous les moches. Quand tu vas me rencontrer, ça va te faire tout bizarre, hein. Ah merde, j'y trouve pas. République. République. C'était des républicains. Merde, ils sont où? Ah bah, j'ai perdu les républicains. Non, c'est pas okay. Vous êtes moche à souhait, c'est pas vous du tout. Bon, enfin bref, tant pis. Yes! On a vaincu. De quoi? On a vaincu les putains de recherche drones sur mini le vide. À la con. Recherche en particules, ah oui, effectivement. Ok, on a vaincu les drones miniers, donc ces espèces d'artefacts. Donc lui, il est là. Mais qu'est-ce qu'ils ont, mes scientifiques, à mourir comme ça, là? Il est là. Tiens, il est même pas de ma race, lui, je le mets quand même. Bon. J'en profite pour remercier à tous ceux qui m'ont donné des conseils sur les commentaires des vidéos précédentes. C'est toujours un grand plaisir de vous lire. C'est toujours appréciable. Complètement appréciable, effectivement. Ouais. Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait l'expansion. Est-ce qu'il n'y avait pas un souci de... Oui, il y a un souci de taille ici. Il y a un souci de taille parce qu'il y a du piratage. Ça ne va pas être possible, chers amis, le piratage. Alors. Uh-oh. Vite. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, c'est vrai, j'avais 1 milliard d'anomalies à vérifier. Inemployé. Ah, pop inemployé. Comment ça, pop inemployé? Quel enfer! Bah travaillez, tas de cons. Alors c'est rigolo, on perd des biens de consommation. Comment cela est-il, consommation? On produit moins qu'on ne consomme, d'accord. Ça paraît logique. On va peut-être pouvoir construire quelques factories. Ah putain, on a plus de gouverneur. Upscaling complete. Alors, c'est quoi, c'est F4 hein, déjà, oui, voilà. Alors, on va recruter un nouveau gouverneur. Un qui l'est bien. Ah bah c'est peut-être pour ça aussi. On a des problèmes de... On va voir si je fais... ça sert à rien. Il faut débloquer les bloqueurs. Débloquer les bloqueurs. Oui, il y a des bloqueurs, des glaciers, des machins, il faut qu'on... Ah bah oui, ça, il faut... Faut virer ces merdes. Alors... Il faut le faire. Upscaling complete. Alors, on va faire une petite factory. Ah merde, non, putain. Qu'est-ce que c'est? Industrie civile, mais j'en ai déjà fait. Non, là, on a besoin de... ça. Et de ça, voilà. C'est trop bien, ça, les logements communautaires.
Oui, tu as bien entendu, oui. Les logements communautaires. Dégueulasse. Moi, c'est quoi? C'est bureaucratique complexe. Parce que je suis administration byzantine. Ces gens sales, avec leurs bâtiments sales. C'est sur quoi on va partir. Quelle horreur. Dégueulasse. Dégueulasse, c'est genre dégueulasse. Je les hais. Oh, je suis où ça dit. Ah merde, j'ai oublié d'arrêter de droguer les autres cons. C'est parti. Bon alors, machin. Définir les droits, conditions de vie, économie stratifiée comme tout le monde. Vous êtes qui, vous? Purificateur fanatique à base oui, de je sais, okay. Bonjour. Conditions de vie, économie stratifiée. Oui, moi, mes bâtiments, ils sont pas, ils doivent pas être très beaux parce que j'ai le civisme architecture fonctionnelle. Donc, nous, on doit avoir une architecture en forme de cube et de boîte. Voilà. Les hôtels japonais là où tu dors dans 2 mètres cubes. Ouais, optimisation de l'espace. Voilà, t'as une télé au plafond, t'as même plus besoin de te lever. Bientôt ça te torchera le cul sans que t'aies rien demandé. Upscaling complete. Bon, c'est mieux. Alors, est-ce que. Mais on perd des biens de consommation. Enfin, c'est mieux, c'est mieux. Oui, oui, c'est normal, j'ai oublié de passer mon jeu en français en lançant tout à l'heure. Oh, puis tu joues toujours en anglais, je crois. Ah, oui, quasiment tous mes jeux sont en anglais. Ça fait il se la pète un peu parce que hier. Oui, grave. écoute, j'ai le droit d'être fier de trucs dans lesquels je suis doué. Hein. C'est tout à fait normal. Tu as entièrement raison. Vous êtes doué dans un truc, soyez en fier. Moi, si vous êtes doué dans un truc qui fait de vous un connard, bon, bah, C'est moins cool. Ouais. C'est moins cool quand même. Ok, donc. Ok, donc ils font surtout à manger ces gens-là. Hein. C'est bon de le savoir. Alors, tous mes vaisseaux scientifiques sont revenus parce qu'il n'y a plus de. On n'a plus de route. Aussi, on n'a plus de route vers l'extérieur, on ne peut plus explorer. Eh ben, on peut toujours faire un pacte si tu veux, pour qu'il passe. Changement d'éthique dans la Raltex Pillar Commonwealth. Ils sont devenus égalitaristes. Ah, on va peut-être s'entendre alors. Tu vas voir, Raltex Pillar Commonwealth. Ah, on peut peut-être. Alors que je vous montre. Oh, le tarot. Julien, il est en guerre avec ses. Putain, il y a déjà des fédérations, ils sont sérieux les mecs? C'est ma fédération, gros. Attends, c'est quoi ça? Il s'est passé quoi là? Qu'est-ce qui s'est passé? Déclaration de guerre. Agresseur, la Uftan Free Union. C'est qui ces gens? La Uftan. C'est qui ces connards? C'est qui ces cons? Alors, c'est pas des gars de ma fédération, donc. Alors, c'est qui ces cons? Alors, c'est les voisins. Ah, mais d'accord, c'est les deux. Ok. C'est les deux empires à droite et en bas qui m'attaquent. Oh. Deux empires contre ma gueule. Rien que ça. Ah, bah merci pour une fois que je suis pas tout seul. Vas-y. On va voir comment tu t'en sors, toi. Bah oui, on va voir comment je m'en sors, oui, effectivement, oui. Alors, pause le temps que j'arrange les choses. Vas-y. Avec un pacte avec le rouge, tu risques de devenir mon pire satellite. Alors, comment je fais ça? N'empêche, on est déjà comment trois je fais ça? Comment je fais ça? Alors déjà, j'ai pas tous les vaisseaux qu'il me faut. Déjà. Donc c'est déjà... Le leader, c'est... Non, le leader de la fédé de Fred. Ah, comment on peut le voir? Je croyais que les gens avaient quelque chose à foutre de ce qui m'arrivait, mais en fait non. C'est moi qui la présidence. Base stellaire, chantier stellaire, destroyer. On va balancer. Ah, mais ça fait une fédé avec le gars qui est collé à Julien. On va balancer un destroyer. On va sur le marché. Sur le marché, on va vendre. Non, on va acheter plutôt. Ah, y a un exploit sur le marché si vous voulez cheeser le jeu. Non. Non, ok. Ah non, on va pas commencer à tricher. Ça devrait être corrigé avec le prochain patch. 18 sur 30. Actuellement, avec le marché, c'est possible de remplir ses caisses d'énergie à l'infini. Bon, alors par contre, le truc, c'est Con. Non,
On peut repasser en vitesse 1 par contre, s'il vous plaît. Petite question, il faut créer une plateforme défensive pour avoir un spatioport? Non, rien à voir. Non, ça, ça, non. La plateforme défensive, ça va augmenter ta défense, tout connement. Le spatioport, c'est dans... il faut que la station soit déjà une vraie station. Et ensuite, c'est dans... Alors, ils veulent quoi, ces gens, en fait? C'est dans les modules. Chantier d'assemblage ou un truc comme ça. J'ai pas ce qu'ils veulent, en fait. Regarde sur ta station capitale, tu vas voir ce que c'est, à quoi ça ressemble. But, conquête, revendication. Et moi, de mon côté, je peux faire que humiliation. Donc moi, je cherche à les humilier, quoi. De toute façon, t'es le défenseur, donc... Ouais, donc du coup, de base, c'est ça, quoi, c'est ça. Si t'avais des... si t'avais des revendications sur leur territoire, tu pourrais les appuyer, mais comme... S'ils arrivent à 100% de leur guerre, ça change quelque chose ou pas? Bah oui, c'est pas le score de guerre que tu vois en plus. Ah, c'est la lassitude de guerre. Si toi tu arrives à 100%, il y a de fortes chances que tu perdes la guerre. Ah, mais je vois le cul! Sans avoir le choix. Tu vois le cul? Mais ouais, on est ravis! Je vois le cul, mais tu dois me voir aussi, du coup. Je vois toujours pas le cul. Alors. Upscaling complete. On va avoir une flotte normalement. Voilà, donc la flotte, elle est normalement pas mal. Il faut que je la mette à niveau. Donc pour ça, il me faut 800 alliages. Allez, le marché, s'il vous plaît. Upscaling complete. Ah là là, mais plus il y a de membres dans la fédération, plus la flotte est nulle. Aïe, 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 ça picote. Ça picote le cul, si je puis dire. Lol. Lol, 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 lol. Par contre, on peut construire dans le chantier spatial, on peut construire des trucs de fédé, voilà. Bon. Alors, modèle, vite, les modèles. Si lui, il arrive à 100%, j'ai gagné ou pas? Oui. Parce que l'attitude de guerre, il a 70%, je suis qu'à 56%. Et tu peux lui faire des offres quand tu cliques dessus parce que t'as deux trucs, t'as te rendre, t'as établir le statu quo ou appuyer tes objectifs. Bah, j'ai capitulation, donc là je pense que c'est moi qui baisse mon froc. Oui. Ouais, c'est pas trop la bonne idée ça. Statu quo, je suis à moins 12, ouais. Et imposer le but de guerre, je suis à moins 222. Ouais, ok. Bon, détendons-nous. Détendons-nous. Honnêtement, là, actuellement, j'occupe rien du tout. Par contre, je suis en train de construire des vaisseaux à mort. Je suis en train de me faire plus de 3000 de puissance. Et je pense que je vais lui rouler dessus juste après. Mmh. Je suis à 74 vaisseaux. Ouais, évidemment. Bien joué. Ils ont peur. Ils ont peur du cul. C'est pour ça que les mecs, ils m'attaquent. Eh ben, ils peuvent, parce que je te jure que je vais pas me laisser faire. Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Une rébellion? Un comment? Plaît-il? Non, mais il entend des voix, le gars. Non, mais allô, quoi. Non, mais si, il y a des gens qui gueulent, mais c'est quoi le lim? Au moins, une de vos mondes a une stabilité basse. Alors, décision. Ça, c'est les gens que t'as conquis, à mon avis. Oui, oui, alors, instaurer la loi martiale, déjà. Voilà. Déjà, on va faire ça. Plus. Parlons bien. Distribuer des produits de luxe, parce que comme ça. Allez. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Quoi? Il y a des nains. Il y a des quoi? Oui, il y a des nains. Il y a des nains. Oui, il y a des nains. Ok. Bah, c'est bien possible. T'as des trucs contre les nains? Non, j'ai rien contre les nains. Tu es nanophobe? Alors, moi, mon but, c'est d'avoir un chantier spatial par secteur. C'est stratégique. Ah, qui m'insulte? Ah, monsieur. Bon, ils veulent pas faire une pacte de non-agression avec moi, c'est cool. C'est les Bloodborne. Ils peuvent pas me blairer. C'est ceux qui ont fait une vieille appendice, là, dégueulasse, qui coule. D'ailleurs, si tu veux leur faire la guerre, mais je t'en prie, mais tellement, quoi.
Oui, bah, il faut que je me prépare. Hein. Ça se fait pas du jour au lendemain comme ça, n'importe quoi. D'ailleurs, je n'ai plus l'amiral. 30%. C'est très très long de reconstruire sa flotte. Enfin, de, pas de la reconstruire, mais du moins de la. C'est ultra long. Bah, faut l'emmener au spatioport. Ouais, ouais, sinon. C'est fait, ouais. Bah, elle est au spatioport et là, elle est en train de. Comment ? Bah, c'est qu'elle a mangé cher alors, parce que c'est pas si lent que ça normalement. Elle a dû bouffer alors. Construction complete. Non, pas ça. Alors. Allez, toi, dépêche là. Upscaling complete. Bon, les gens ne veulent. Les gens ne veulent pas faire. Oh bah c'est du connard auprès de chez moi, ça c'est normal. Ah, mais dis pas qu'on a des xénophobes. Donc eux ils veulent rien entendre. Qu'est-ce que c'est que ça, Fred? Quoi? On fait un accord commercial? Ah, mais c'est pas j'ai le droit de dire non quand même. Bon, personne ne veut c'est absolument. C'est toi qui l'as proposé. Ah mais si, mais oui, bah oui, écoute. Bah ouais, si. Bah comment t'as retourné ta veste? Mais non, mais après... C'est quoi le deal? C'est quoi le bail? C'est quoi mais le bail? Mais y a pas de deal particulier. Je propose un... Hop. Un accord commercial. Un accord commercial avec Fred, c'est tout. Ouais, bah... Je comprends bien, ça va me rapporter, moi. Bah ça va nous rapporter à tous les deux. À toi de voir si... Ça rapporte des biens de consommation. Non. Bah ça dépend. Non. Ça dépend, parce qu'après, si tu veux des biens... Ah, si mais attends. Si ta politique commerciale, elle est en... Parce que là, ça me rapporte pas du tout, là. Je vais le révoquer, ton accord de merde. Comment ça te rapporte pas du tout? Bien sûr que si, que ça te rapporte. Évidemment, ah, que ça oui, te rapporte. Non, d'accord. C'était le temps que ça se mette à jour, d'accord. On se détend, oui. C'est mieux. J'aime mieux ça. Maintenant, il va pouvoir poser des succursales dans ton empire, Fred. Oui, bah tu sais, il peut le faire au début, et puis sur la fin, on verra bien qui va gagner, hein. Voilà, je dis ça. Fred a vendu son âme. Il a pas vendu son âme. Par j'ai contre, pas vendu mon âme. Je m'en vais ouvrir un McDo chez lui. Mais comment résister au cul? C'est ça. Oh, je veux le cul, moi je veux. Alors, par contre, dis-moi, tu as besoin de biens de consommation, c'est ça? Oui. Parce que je pourrais t'enfiler quand même pas mal si tu avais de l'alliage à m'échanger. Des alliages? Oui, des alliages, oui. Je suis prêt à faire un deal avec toi avec un cours plus important, plus intéressant que le marché galactique. Mmh. Ah là là, mais attends. Oui. J'ai attaqué une flotte, mais ça se met mal. Pas... Non, mais tu sais, c'est les drones là, la con là, putain. Mmh. Ça me surgit. Non, c'est bon, on va gagner. De synthèse post-combe. Non, non. Écoute, malheureusement, devient la Chine capitaliste, ça y est. La Chine. Tiens, d'ailleurs, je souhaitais soutenir, j'ai vu ça tout à l'heure, là, il va y avoir un animé chinois sur Karl Marx qui va sortir. Oula. What? Je tenais à vous mindfuck avec cette nouvelle. Putain. Yes. Ça. Mais moi, j'achète, hein. C'est, comment dire, aussi inattendu que pas attendu. J'ai vu les images, ça a l'air cool, en plus. Ah bon? Le design est pas mal. Ah bah, tu vois, j'aurais pas cru. Mmh. Étonnamment. Bon. Bah non, mais tu sais, la Chine, ils font des très bons animes. Non, j'ai pas assez d'alliage, Tilt. Bah écoute, c'est pas grave, on fera affaire une autre fois. C'est ma production est anémique au niveau alliage. C'est pas grave, c'est pas grave. La mienne aussi, mais c'est un peu plus grave parce que je suis en guerre, techniquement. mais on va s'en sortir. Ouais, on va s'en sortir. On va améliorer déjà cette base stellaire en redoute stellaire pour que quand machin il va se pointer. Il va se faire fumer sa gueule de con. La flotte. On en est où de la base? Ah, 61% de la mise à jour de la flotte, c'est tellement long. Ouais, oui, non, tu parlais de la mise à jour, d'accord. Ouais, ouais, la mise à jour, c'est une catastrophe. Tu parlais des réparations, en fait. Non, ça peut aller, ça. Enfin, ça peut aller. Non, les mises à jour, bah en fait ça dépend du nombre de modifications que t'as fait sur tes vaisseaux. Bah oui, bah plein. Si t'as juste changé un module, c'est rapide. Non, non, plein. Donc là, on a quoi? Si t'as revu tout le modèle de A à Z, ouais. Ça va mettre. Donc on a 3 destroyers et 25 corvettes. En espérant que ça suffise. Alors, la flotte. La flotte a mal. Parce que la flotte, la flotte du cul est néanmoins plutôt efficace. Pourquoi normalement. Va ici, toi.
normalement. Qu'est-ce qui est prévu de se réparer là-dedans? J'ai construit un spatioport là-dedans? Putain, oui. Quoi? Mais quand est-ce que j'ai construit un spatioport ici? Qu'est-ce qui se passe? Stabilité basse. Mais qu'est-ce qu'ils ont encore? Qu'est-ce qui me casse les couilles? Maison de la loi. Indéfini. But de guerre. Qu'est-ce qui se passe? Attends, passe, parce que du coup, faut que je lis. Statu quo. Faut que je lis plus, hein. Statu quo, il a 90%. Tu penses que si je le mène à 100%, je vais gagner plus ou pas? Tu gardes ce que tu veux. Non, parce que t'es défenseur. Ouais. Ton cas pays, c'est quoi? C'est humiliation? Parce que... Radicalisation. C'est quoi au début de la guerre? Ah bah j'ai rien choisi du tout, hein. Putain. Si, si tu fais la victoire, il va être humilié, mais tu vas lui prendre aucun système. Oui, donc si je gagne, il est juste humilié, donc ça sert à rien, quoi. Ouais, faut, en même temps, là, t'occupes quoi quand t'occupes... J'occupe... Alors, attention, t'occupes un système, lui, il t'en occupe deux, là. Hein. Oui, bah justement, en fait, j'ai... Ouais, garde les deux, hein. Garde ce qu'il occupe et tu gardes ce que tu occupes. Ah putain, ça coûte rien ça. Ah ouais, bah non. Donc là, si tu fais un statu quo, tu vas perdre Tisra et Puntra Z. Ouais, bah non. Je m'en fous, je l'emmène à 100%. En plus, j'ai des vaisseaux qui y vont là-bas pour récupérer le statut donc. Nique lui la tronche. Métro. Pète-lui sa gueule de con. Oh, tellement. Et puis après, je vais aller envahir l'autre pimpin là. Je vais le terminer, récupérer ses territoires. Oh, ma flotte qui a 500 de puissance. 500? Oui, 500 parce que je sors d'une bataille là. Ouais, j'en ai deux à 1700 moi. Ah ouais, c'est pas le même délire. Hein. Moi j'attends de voir. Bloodborne là, Spuclux. Moi j'attends de voir une fois que j'ai terminé. Moi, il me fait peur le Spuclux là, il est méchant avec moi. Ah non, le Spéculos là. En plus, comme c'est un fanatique Purifier, hein, pas besoin de faire de revendications sur sa tronche. Ah bon? Vu que c'est un mec, c'est les tyrannes, c'est pas les tyrannides parce que c'est pas un hive mind, mais c'est un peu le même genre, quoi. Putain, 250. Hey, joué par des Glingus, mais salut, bienvenue. Ah, ça y est, tu l'as rencontré. Oui. On s'est rencontré, ouais. C'est avec une joie tout à fait intéressante que je vous propose, évidemment, un petit pacte commercial, pas piqué des hannetons. Exprès pour vous. Ça me dit pas combien je gagne, ça. Bah moi j'ai regardé que ça vous rapporte plein. Moi en vrai, le pacte, je suis passé de 40 à 67. Ça va, ça me rapporte. En énergie, donc ça va. Bah, évidemment que c'est intéressant. Si je vois que ça t'aide trop, de toute façon, je briserai le pacte et que j'expulserai tes succursales. Mais j'en doute pas un instant. Ok, on remet plein. On est politique autoritaire militariste, nous, je te rappelle. Donc, les nazis. Voilà, c'est plus ou moins ça. Le quatrième Reich. Le quatrième Reich. Ok. Putain, il y a des Alors, c'est quoi le délire là? Qui c'est quoi ça? Ah, mais il n'y a pas de logement. Je croyais qu'il y avait. Ah, d'accord. On s'était pas compris aussi. Je croyais qu'ils voulaient du travail, mais en fait, ils voulaient juste pas dormir dehors. En même temps, ils sont pas clairs dans leurs revendications. Ouais. Ils sont cons, ces gens. Ça me rappelle quelque chose, des gens pas clairs. Ouais. Bref. Bon, alors, oh là là, mais si peu d'alliage. Si peu de temps, tellement de travail. On peut remettre en vitesse 2. On peut remettre en vitesse 2 pour l'instant, oui, parce que de toute façon, ils ont décidé pour l'instant de rester campés dans leur coin. Tant mieux. Oui, parce que je suis en train d'économiser pour faire donc une redoute stellaire pour les accueillir. Du coup, ça fait déjà un empire qui ne peut pas débarquer chez moi sans passer par une zone plutôt tendue. Nice. Par contre, l'autre, c'est open bar. Donc ça, c'est moins nice. Non. C'est moins nice. Par contre, pour l'instant, ils n'ont pas osé bouger leur fion. Sachant qu'il y en a un qui est équivalent à moi en force, soi-disant. Et l'autre aussi. Les deux sont équivalents. Donc ça, c'est pas fou, quand même. Situation, d'accord. Du coup. Non. Si tu
suis une mégacorp, t'as quoi comme malus? T'as des pénalités plus élevées quand tu vas au-dessus de ta capacité administrative. Ce qui est complètement le cas, je suis au triple. Mais c'est pas très handicapant, c'est juste que bon, c'est vrai que t'as plus intérêt à jouer moins large et plus petit que... Qu'est-ce que c'est que ça? Grève de la faim? Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Nous devons régler le problème. Après, en tant que mégacorp aussi, t'as des choses à faire. Ok. Alors, la flotte, elle est montée à combien du coup là? La flotte, elle est montée à 2K, c'est bien ça? Oh. C'est pas si mal. Ouais, on est à un demi-K, c'est pas mal. Protection commerciale de base pour les routes commerciales augmentée de 5, très bien. Frais du marché, moins 10%, bah tiens, ça c'est complètement le bon moment. Bien. Quoi? Upscaling complete. Ah non, c'est des connards xénophobes qui ferment les frontières. Mais tout le monde ferme ses frontières, là? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Upscaling complete. Et il les rouvre dans la seconde après. Mettez-vous d'accord, les gars. Ça va charcler, sinon. Ça va me saouler, hein, au bout d'un moment, là. Research actualized. Quoi? Mais cassez-vous. C'est terrible ce qui m'arrive. Je peux rien faire, j'ai plus. J'ai plus d'alliage. Ok, bon. Ouais, l'alliage, moi aussi, putain, la production d'alliage, c'est la cata. Moi, c'est... pareil un peu. Dans le prochain patch, ils vont changer le rendement. Un métallurgiste donnera 3 alliages au lieu de 2. Ouais, ah, parce putain, que là ça pique. Hein. Parce que, là, je ne peux rien faire. C'est ce que le prochain patch, il va pas niquer la sauvegarde, j'espère. Non, bah non. C'est quand même pas du genre la maison. Non, c'est les patchs post-lancement. Enfin, après, je pense que non, ça peut pas être mal. Bon, bah, je pense que moi, je vais débarquer chez eux. S'ils veulent pas venir chez moi, je vais les accueillir, ces gens. Puis je vais leur expliquer ma façon de penser. Station under assault. Station. Putain, c'est quoi? Demi-tour. Des pirates? Oh bah il manquait plus que ça. L'autre chose. Ça y est, t'as fait la paix? Oui. Mais du coup, j'ai pas récupéré les trucs que je prenais. Ouais. Fais chier. Mais. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Non mais le mec, il met tellement de temps à faire une recherche, comment ça se fait? Flotte de combat? Mais putain! Putain de bâtard, d'enfoiré, de merde, de pirate de mes deux. Ah, j'ai rencontré un cartel. Je ne supporte pas ça. Chiasse. J'ai que ça à foutre. Que regarde avec Tim, tiens. Le farine cartel. Ouais, c'est des sacs à merde. C'est une organisation criminelle. Ouais, ah, c'est des sacs à merde, des gros sacs à merde. Quoi, je vais te fermer les frontières. Pourquoi je peux pas fermer les frontières? Upscaling complete. Batterie de canon, c'est parti. Ouais, bon, pas de déçu du voyage quand ça va arriver. Et là... Voilà. On va blinder le coin ici. Déjà, donc là, on a une forteresse stellaire. Normalement, pour qu'il passe, il faut qu'il se motive un peu, quoi. Service. Il faut que je construise des services, c'est ça, du coup? Probablement. Commercial, ça donne des services. Ou les bâtiments communautaires, si t'étais égalitariste. Des services. Des chercheurs améliorés, ouais, non. Génie clinique amélioré. Ouais, c'est ça, c'est cool. Bah, par contre, on est un peu juste. Hein. Qui fait là, lui? On fait quand même. Son of a bitch. Comme ils disent les gens. Nous, comment on est censé gérer un empire maraudeur qui a plus de 15K de flotte? Bah, tu peux pas. Tu meurs. Tu turtle et t'attends que ça passe. Tu fais le don rond. Il s'est réveillé ou il reste? C'est juste un maraudeur normal. D'ailleurs, il est où? Ou est-ce que c'est un grand Khan qui s'est réveillé? Si c'est un grand Khan qui t'est réveillé, vaut mieux se rendre et te dire ah, ok, je passe mon proc, je suis votre boss. Et payer, oui. Ouais, vaut mieux. Parce que si t'as pas les moyens, il va te défoncer.
Ah oui, clairement. Alors normalement maintenant le marché est plus intéressant pour nous. Ah oui, oui, c'est bien mieux. Très intéressant ça, très intéressant. On va pouvoir peut-être faire quelques vaisseaux en plus du coup. Faudrait peut-être que j'aille voir mon concepteur de vaisseaux en ces jours. Parce que là j'ai le modèle meilleur automatiquement, j'ai l'impression que c'est pas les meilleurs automatiquement. Bah, ça dépend. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas complètement con quoi ce qu'ils ont fait. Pas complètement. Ah merde, on a engagé les pirates de merde là. Bon là il y a une galée primitive qui sont bientôt qui vont bientôt devenir un vrai empire, on s'occupera de leur très bien ça. Plus tard. Très très bien. Mais non. Ah bah, ils sont chez moi, je sais ce que je veux. Hein. Oh, mais tu peux pas les déporter comme ça, moi je les récupère. Oui non mais c'est... on va les déporter, ouais. J'ai pas envie de les garder ceux-là. Moi j'accueille tout le monde. Alors j'aimerais tiens d'ailleurs pro tips que j'ai découvert en jouant à Stellaris, puisque je joue exactement la même race, mais dans une autre partie en solo. C'est quoi le sens quand, commun oui, quand bah, ta vas-y. Population devient minoritaire, tu peux perdre tes éthiques. Oui. C'est relou. Du coup, j'ai par exemple perdu le fanatisme égalitariste sur la partie d'avant, et du coup, j'avais beaucoup moins de tout. Et, du coup, forcément, bah, j'ai rage quit et j'ai supprimé la save. Ah bah c'est bien la diversité, mais faut quand même les garder dans le droit chemin. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que maintenant je garde un ratio incompressible de 25%. De... Non, mais après, là, ta pop, enfin ton espèce et l'éthique, ça n'a rien à voir non plus. Hein. Si, quand même, si tu deviens minoritaire, non, mais. Que... Non, mais tu sais que tu peux perdre ton éthique même en ayant 100% de ta pop d'origine. Hein. Pourquoi tu mens ? Parce que s'il y a 50% de ta pop d'origine qui change d'éthique, voilà. Non. Formation d'une nouvelle faction. Non. Alors. La cap de nos empires. Bah moi je suis un fanatique autoritaire militariste, genre empire stellaire, il n'y a pas d'élection chez nous. C'est voilà, il y a un héritier à la mort du souverain. C'est le bon vieux système féodal, mais. C'est le voilà, c'est le bon vieux truc de gros dégueu. Empire à la Star Wars. Hein, comme on peut l'imaginer. L'empire, le vrai. Voilà, c'est ça. Attendez. Alors, tu fais vachement bien l'Empire. Ouais. Bon. Mais ferme-la, il parle. C'est fou, ça. Il joue un truc très militaire et xénophobe. C'est un peu comme moi, sauf que lui, au lieu d'être fanatique autoritaire, il a pris xénophobe en plus. C'est ça. Nous avons Fred, qui est lui complètement l'inverse de moi, c'est-à-dire... non, pas exactement de moi, mais... Fanatique égalitaire et xénophile, on est parti sur du communisme. Il a déjà fait une fédération, il a deux membres dans sa fédération. J'avais compris, une fellation. L'amour. Il a déjà fait une fellation, ça va très bien. Ouais, et ici, nous avons une méga corporation. Étonnamment. Avec un combo très bizarre, autoritaire, fanatique, xénophile. J'aime les gens, quand ils bossent pour moi. En fait, c'est, il devrait y avoir un spécial faux cul. On est plutôt le côté des fascistes. C'est plutôt le côté des fascistes. Oh, pourquoi fasciste tout de suite ? Non, je dirais pas fasciste. Hein. Bah, t'es xénophobe. Ah, j'aurais dû faire un nouveau modèle. Oui. Putain, j'aurais dû faire un nouveau modèle. Non, mais on peut être, attends, on peut être xénophobe mais ne pas vouloir la mort de toutes les espèces de la galaxie. Oui, voilà. On peut. C'est pas pareil. Oui, mais quand t'es xénophobe militariste autoritaire, je suis désolé, mais. Ouais, bon, là, Yang. Moi, je suis plus vraiment dans l'optique de. Yang Yi Souroche, ah oui. J'avoue. Oui, mais bon. C'est surtout que moi, je suis prêt à combattre à partir du moment où qu'on me paye bien. Mais non, moi, je suis pas fasciste. Moi, je suis juste. Impérial. Juste un peu beaucoup fasciste. Non, pas du tout. Moi, je veux bien qu'il y ait d'autres gens dans mon empire. Ah bah viens, on fait un pacte de migration. Et les autres gens ou mes pop à moi, ils ferment leur gueule. Non, parce que ma pop, elle est bien designée avec des bons traits. Mais j'ai c'est pas quoi cette merde, j'arrive pas à sauvegarder mes vaisseaux, c'est assez relou. T'as décoché le modèle automatique ? Bah non. Bah, décoche-le.
Mais c'est juste ça. C'est-à-dire que... Tu peux pas sauvegarder ton modèle si le modèle automatique est coché. Oh putain. Parce que si le modèle automatique est coché, c'est que tu veux utiliser les modèles automatiques. Voilà. Ah ouais, mais d'accord. Donc t'as pas le choix, quoi. Ça fait sens. Non, ça fait pas sens du tout. C'est con. C'est très très con. Bon, enfin bref. Si, ça fait sens. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Criminalité, moins 25. Oui, tiens, c'est une bonne idée. Alors, salle d'Opis 3 Alpha. Ouais, le Bronco, mais je suis là. Quoi? La mère a allé à l'autre bout de l'Empire, quoi, sérieux? Alors, c'est parti! Le temps qu'on arrive, le mec, il est passé en équivalent, quoi. J'ai une autre guerre sur les bras. C'est qui cette fois, ces gens? Ah merde, c'est ceux-là. D'accord. Bon, bah écoutez. Jean-Michel, pas content. Ouais, ils sont pas contents. Putain, hein. C'est vrai que 1, 2, 3, ça fait. J'ai 3 empires en guerre contre moi, ça commence à faire beaucoup. Il y a 4 mégacorpos là qui ont se popé dans le même coin et sont tous en train de se faire la guerre. Ouais, ça fait quand même beaucoup là. Que je vous montre la diplomatie. Voilà, donc en rouge, c'est les gens qui font la guerre à Thieves. Bon, alors ce qu'on va faire. C'est le vert au milieu là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des redoutes stellaires partout. 4 empires. Ça fait beaucoup. Ouais, c'est un peu beaucoup. Je vais construire des fortifications et on va laisser les gens se saouler contre moi là parce que les mecs ils m'attaquent mais le mec qui vient de m'attaquer techniquement il est considéré comme étant inférieur à moi. Donc je vais lui prouver que oui, il est bel et bien inférieur à moi. Mais il est pas tout seul. Il est pas tout seul. Oui c'est ça, le souci c'est que il y a trop de gens qui... Ah oui mais il y a lui aussi, je l'ai pas vu lui. Ouais, il y a le même, mais il est ouais, loin. Ouais, mais il est loin, et puis de toute façon, il faut qu'il passe par une redoute stellaire assez blindée. Donc à ce niveau-là du jeu, les redoutes stellaires, c'est quand même pas encore super facile de passer non, à travers. Bah, après, faut les stuffer en plateforme, hein, parce que... Ouais. Non. Ah bah oui. Oui, il faut construire des plateformes de def à côté, c'est ça? Ouais, je vais m'employer à faire ça de suite, ouais. Station, ça peut quand même tomber. Ouais, je vais faire ça complètement tout de suite, t'as complètement raison, Deg. Construire une station minaire, une base spatiale, c'est quoi le truc? Comment je fais? Quand tu cliques sur une de tes bases, t'as un onglet défense. Ouais. Ah, et construire là, une plateforme de def. Ouais, et là, il va faire les plateformes. Ok, parfait, on va commencer à faire ça. Tendu, ce début de partie. Ouais. Bon, cela dit, ils sont à 60% gavés déjà, les autres mecs qui m'avaient déclaré la guerre en premier, là. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui est mort encore? Arrêtez de mourir, les gars, soyons sérieux. Ah, c'est notre général. Oh, c'est pas comme s'il servait, de toute façon. On le regrette pas trop, le général. Non, je veux pas changer d'éthique, justement. Ça, c'est pareil, elle sert à rien, cette base stellaire, les mecs. Rétrogradé, direct, hop. Foutez-moi le camp. Alors, ce qu'on va faire, par contre... Upscaling complete. Combat detritus. Non, Sardo, je crois pas que ce soit possible de faire des classes séparées. Ce qu'on va faire, c'est retourner sur le marché et acheter de nouveau des choses au marché. Ah, ça fait tellement cher, c'est tellement cher. Il me reste si peu pour vivre. Et FRS vient de se faire offrir un abonnement de niveau 1. Yes, ça commence. Ça y est, la money shower. Sorry, papa. Upscaling complete. Je pense qu'ils se sentent pousser des ailes, les mecs, parce qu'ils ont l'impression que j'ai pas assez de flotte, mais... mais ça va pas être possible, les gars. Ça va clairement pas être possible. Hein. Alors, chantier spatial, barrage lance-missile 1. Ici, barrage lance-missile 1. Ah merde, on est de nouveau à sec. On retourne vendre du merdier. Tu feras gaffe, Tib, les plateformes de def se gèrent aussi dans les modèles de vaisseau. Oui, ouais, je vais... Il faut les améliorer, parce que là, tu dois avoir construit des plateformes de base. Ah merde, j'ai fait le contraire de ce qu'il fallait. Putain. Ah, tu es en guerre. Oui. Qui?
Ah, pause. Ah bah Fred, Julien, vous êtes en guerre. Ah ouais. Oui, enfin bon, c'est pas dit que j'y aille, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Honnêtement, vaudrait mieux pas. Oh là là. Non, mais c'est normal, c'est en pause, hein. Ouais. Ah putain, qui a mis la pause? Moi j'ai mis la pause, c'est bon, vous faites attaquer, vous allez encore vous faire défoncer, détendez-vous. Upscaling complete. Et ayez au moins le temps de voir ce qui se passe, ce qui vous arrive. C'est Julien qui attaque là. Chose à foutre. Tu vas laisser mourir ton pote de la fédération. Ah, putain, il est à demi-mort. Puis honnêtement, il va pas tout de suite mourir. Franchement, voilà, tu vois, on peut encore faire du commerce dans le futur. Vite, on doit aller sauver une Starbase très très vite. Arrête de pigner le chat, je t'entends. Attends, il n'y a que des recherches de... Ah, putain. Oh là là, bon, dépêche-toi de gagner cette guerre, hein, parce que... Oui, je t'assure, je fais mon maximum. T'inquiète, je sais que tu fais de ton mieux. C'est quoi ça, la surpopulation, il n'y a pas de logement, bah, achetez-en. Là aussi, il y a pas... Insupportable ces gens, insupportable. Il y a une étoile là. Ah, c'est le monde natal des connards, enfin des Voltum. Des autres. Allez. Il avait fini ses précurseurs, il avait même pas. Et qu'est-ce que c'est que toutes ces flottes? Ah, mais c'est les flottes de Fédé. Allez, on engage la flotte de l'autre con là déjà. Voilà, j'ai chanté l'affichage voilà. Militaire. Ce qu'on en a fait. On en a fait des confettis de sa flotte de merde. Il n'y a pas d'autres cibles dans la galaxie à part la Raltex Stellar. Upscaling complete. Machin là. Bon, qu'est-ce que vous en pensez sur le chat, les gens? On l'attaque le Speculos là ou. Le Speculos. Non, le Spugzulak. Bloodborne. Eh, mais. On dirait un pseudo sur JVC. Quoi? Alors? Bah oui, on lose, hein, c'est sûr. C'est sûr qu'on lose. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah putain, pas de scientifique. Mais. Bon, vous savez quoi, on va la tenter. Terminator. More declared. Putain, c'est la folie en ce moment là. Allez, on la tente. La folie, c'est-à-dire? Bah, y a des guerres dans tous les sens. Ouais, surtout Julien. Hein. Ouais, ça va. Bah, non, je suis en guerre aussi, là, j'ai déclaré la guerre au Spuculex. Ah! Oh, l'opportuniste! Research. Pourquoi t'as déclaré la guerre? Au Spuculex Bloodborne. Ah, bah, tant mieux. Alors, marchez. Bon, mais finissez-le. Non, non, marchez aux esclaves. Il y a de l'esclave qu'on peut libérer. Qu'est-ce qu'ils ont comme... c'est tous des... Ouais, non, on va rester là. Vous serez gentil, du coup, de pas tuer les pop, mais de me les amener. Ça me fait de la main-d'œuvre. C'est très bien. J'aime quand mes populations... Pour être honnête, t'auras ce que t'auras, quoi. Non, mais quand tu purges, au lieu de purger, tu fais déporter comme ça. Le moi, gars, quand même, il fait pas de guerre, il lance dans son coin, on lui fournit encore des trucs, il se plaint. Mais je me plains pas, je vous le dis, c'est tout. De toute façon, moi je risque de les déporter, oui, c'est pas probable. Ouais, voilà. Moi aussi, honnêtement, j'en ai rien à péter de leur côté. Upscaling. Je vois que le copain il n'est pas allé aider non plus, hein. Ça flotte. ça flotte. Non mais on l'avait senti venir. En plus sur le chemin, qu'est-ce qu'il y a? Ancient Mining Drones. Ça fait chier quoi. Enfin, c'est pourri. C'est loin. Il y a pas d'aire d'autoroute sur le chemin. Donc à un moment, moi je veux bien aider, mais biscuit quoi. Et là, je vois qu'il n'y a pas de biscuit. Tristesse. Un peu. Competitors detected. Ah mais il va revenir en plus lui, il a vraiment rien compris à la vie. Alors pénétrer. Alors oui, je voulais voir les anomalies. Il y a encore des signes.
C'est le fight. Oula, 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 ça risque d'être un gros fight. Stockage d'influence plein, c'est un peu dommage. Ouf, 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 ouf. Faites péter les édits, les mecs. Surcharge des capacités, oui. Dites-moi que ça va le faire. Quarantaine de l'information, très bonne idée. Engagement de la flotte. Ce sera que la deuxième que je leur éclate. Ok, ça devrait le faire. Je devrais quand même augmenter un peu ma capacité de flotte. Ou alors construire une vraie flotte de... mais putain, mais le copain, il fait n'importe quoi avec la flotte de Fédération. Mais qu'est-ce que c'est que ces... qu'est-ce que c'est que ces gens, hein ? Il y a un milliard de... En fait, il construit une corvette, ça fait une flotte de Fédération. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, quand tu ouvres l'onglet flotte militaire, ça prend tout l'écran. Oui. Crétin. Putain, je viens de payer 5000 pour acheter des biens de conso. Ça pique. Ça va, ça va. Ah fuck, j'ai pas assez d'armée. C'est emmerdant, ça. Malgré moi, je construis surtout des usines. Hein. Non, sur mes... sur mes mondes. J'ai réussi non, on va faire ça après. À quasiment doubler ma prod de cristaux, enfin de d'alliage. Et j'ai découvert mon système natal de précurseur et ça c'est cool. Et la redoute stellaire, c'est toujours un truc qui coûte la peau du fion. Oui. Nouveau modèle de vaisseau, s'il vous plaît. Type corvette, ouf. Oh, il est pourri votre type corvette, les mecs. Il pue la mort, votre type corvette. Ships upscaled. Impressionnant. Je crois que j'ai pas encore trouvé les destroyers, hein, moi, donc... Ça va encore être une partie de mer. Ça y est, on a le monde natal. Alors, oui. Research actualized. Oui, un nouvel atout de l'ascension. Je m'épose vite fait, le temps de choisir. Désolé. Vas-y, et... vas-y. Alors. Tibbs, il survit à son OPA. Non, mais c'est pas l'OPA, ça veut dire que j'ai juste 4 empires sur le coin de la gueule, donc ça pique un peu, mais. Ouais, ouais, non. Mais pour l'instant. Pour l'instant, ça va, ouais. Ah, mais t'inquiète pas, les OPA, ils vont les cracher, là. C'est bon. Alors maintenant, Super Destroyer, research s'il vous plaît. Actualized. De type, oui, bah de type Destroyer, le Destroyer, on est bien d'accord, hein. c'est bien cela, hein. Artillerie lourde de proue. Canon électromagnétique partout, parce qu'on kiffe les canons électromagnétiques, c'est cool. Je comprends rien, mais ils font quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites rien, vous ! Upscaling complete. Ça va, Attends, mon scientifique, il se gratte les testicules, l'air de rien. Ça l'énerve. Changer. Blindage en céramique, c'est un peu pourri, ça aussi. Franchement, Franchement, c'est pas ouf. Il est vraiment trop bien le système des précurseurs là. Enfin, les Voltom. On va y rater rien. Non, en vrai, ça va. Hein. Ça paye en fait. C'est un système qui te donne 10 énergies, 10 minéraux, 13 recherches physiques, 10 recherches sociétales, 10 recherches ingénierie, 5 alliages et 5 gaz exotiques de terraformation. Oui, ça va, pas mal. Oui, non, je veux dire, c'est... Voilà, ça va, c'est correct, n'est-ce pas ? Bien. Alors, trouver l'anomalie la plus... Voilà. Allez, ils vont enquêter là-dessus. Bon, tout le monde a un truc à faire, là. Ok. Ça va commencer à me saouler, sinon. Si tu vois ce que je veux dire. Détendons-nous, hein. Ouais, non, mais je parle pas de vous, les gars, je parle des miens.
Quand je pense que j'ai toujours pas réussi à poser la moindre succursale chez quelqu'un parce que j'ai vraiment pas la thune en ce moment. Est-ce qu'on peut faire un super destroyer s'il vous plaît? Si tu arrêtes de bouger, t'es relou. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque à bouffer, il nous manque. Ah oui, il nous manque surtout. Surtout des alliages. Hein. On est bien d'accord. Merci pour le follow, Mehmet 250. Yes, merci à tous. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Y'a pas assez de logement. Une crise du logement. Il y a une crise du logement, toi. Monde industriel. Ouais, enfin, bof. C'est pas vraiment un monde industriel, ça, les mecs, mais admettons. Faites péter. Putain, mais la population, elle augmente vachement vite, là. Ah non, mais c'est l'autre, d'accord. Elle est où? Forge d'un. Plus d'alliage. Ah, Detritus analyzed. De quoi qu'on manque? Allez, des logements communautaires, encore. Parce que c'est génial. C'est génial, les logements communautaires. Ça crée des services et ça donne plus de pop. Plus de logements. Enfin, ça fait des, voilà. Enfin, bon, vous avez compris. On a compris, oui. 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 Non, parce qu'en fait, si tu veux. Et des logements. Il est bien relou, ce mec. N'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Lassitude de guerre élevée? Qu'est-ce que vous dites? Mais eux aussi, ils sont à 100%. Bah voilà, statu quo, puis arrêtez de m'emmerder. Incoming inquiry. Voilà, paix blanche, allez, cassez-vous. Bon alors, par contre, maintenant, l'espèce de Mickey, là, qui m'a attaqué, là, alors qu'il était inférieur à moi. Comment ça va se passer, maintenant que t'es tout seul, du con? À ton avis? Ça va se passer comment? Alors, tu es en guerre avec qui, maintenant? Le reste? Ah, c'est de là. Il reste plus ces autres tocards, là. Moi, j'ai pas spécialement de but de guerre contre lui, je crois. Hein. Mais j'ai quand même à lui péter les dents par principe. Ok, ok, bon, bah, les choses vont mieux. Les choses vont beaucoup mieux. Ouais, de mon côté aussi, ça va super bien. Upscaling complete. Industrie civile. Moi, c'est tranquille. Après, voilà, là, on a passé le, c'est vrai qu'on a passé le premier stade d'exploration. Donc là, on se développe, on consolide son territoire. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus fifou, à part du côté de Tibbs, où il y a toujours un truc qui se passe, clairement. Ouais, bah c'est mais oui, c'est comme ça. Bah, je suis en pleine guerre, moi. Hein, qu'est-ce que c'est que ça, le Faren Cartel, là? Il est énorme. Il est énorme. C'est l'organisation criminelle. Ah! D'ailleurs, je vérifie, je crois de... Non, ça va. Il n'y a aucune branche criminelle sur mes planètes, parfait. C'est sans aucun doute le château le plus agréable. C'est horrible! Merci! C'est pas vrai, c'est pas jamais vrai. Jamais Patagle! Pour le follow. Par contre, on va peut-être faire une pause, il est 21h08. Ah oui, ça fait une heure! Ah oui, l'épisode a été plus long que prévu. Mais enfin, c'est pas grave, en même temps, désolé, on a été pris dans le truc. C'est des choses qui arrivent. Pause du coup. Eh bah ouais. Oui, pause, allez, putain, un épisode. Fou, difficile. Un épisode de... Très difficile. Non, ça va. Non, j'ai gigolo, y'a pas de ce genre de.